Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose un flan au chocolat avec une préparation avec notre Cookéo. Et on fera la cuisson au four. Donc pour cette recette, vous avez 3 œufs là, que je viens de battre. Vous aurez besoin de 100 g de chocolat. Vous aurez besoin également de 90 g de farine. Un sachet de sucre vanillé. 80 g de sucre et puis 1 litre de lait. Et bien c'est parti pour cette recette. Je vais commencer par brancher et bien mon Cookéo pour l'allumer. Et puis et bien je vais passer en fonction manuelle et en fonction dorée et je vais commencer par mettre le lait. Allez, je verse le lait. Et puis, on va casser les morceaux de chocolat pour les faire fondre dans le lait. Voilà, je casse les morceaux de chocolat. Bien sûr, on mélange au fur et à mesure que l'appareil chauffe pour faire fondre le chocolat. Et bien mélanger au lait. Donc, n'oubliez pas de faire préchauffer votre four à 180 degrés pendant que vous faites la préparation. Quand le chocolat est fondu, et bien on va ajouter tout simplement dans un premier temps le sucre en poudre. On mélange bien tout ça et puis on va ajouter dans la foulée eh bien, le sachet de sucre vanillé. Quand tout est bien dilué, on va ajouter eh bien, la farine. On mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et puis là, ce qu'on va attendre, c'est eh bien, que le mélange, l'ensemble, se mette à ébullition. Et là, on pourra ajouter à ce moment-là eh bien, les œufs. Voilà, le préchauffage n'est pas tout à fait terminé, que eh bien, le mélange est déjà à ébullition. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre mes œufs battus et je vais bien mélanger. Et une fois que ça est bien mélangé, eh bien, on va pouvoir, je dirais, mettre la préparation eh bien, dans un plat qui va au four. Voilà, le mélange est relativement homogène, je vais pouvoir m'arrêter. Il est même assez épais. Donc j'éteins mon Cookéo, je vais arrêter la fonction dorée. J'arrête mon Cookéo et puis eh bien, je vais verser ma préparation dans mon plat. Donc là, le plat, vous pouvez le beurrer si vous voulez démouler votre flan après. Moi, généralement, le flan, je le découpe dans le plat et je le distribue de cette manière. Voilà, je prends donc ma cuve et là, je mets la préparation. Voilà. Et maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à... Vous voyez, il y a de la buée, c'est normal. Le plat est chaud. Allez, je vais aller mettre la préparation et mon plat dans mon four. Et je vous dis à tout à l'heure. Là, donc là, je vais mettre une heure de cuisson à 180 degrés.